everyone, bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing qui est une vidéo unboxing K-pop de l'album de Wave qui est Kickback, qui est une sous-unité de chez NCT. Donc c'est K-pop et aussi C-pop parce qu'ils font aussi chansons chinoises, donc c'est la même C-pop. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez voir qu'il y a tous les caractères, donc il y a beaucoup de chansons chinoises. C'est le troisième mini-album, c'est Kickback. J'aime beaucoup Accent Figure et les Kickback. J'aime beaucoup leurs chansons parce qu'il y a vraiment les deux versions, la version coréenne et la version chinoise. J'aurais bien aimé trouver le deuxième album qu'ils avaient fait, mais j'ai trouvé que le troisième. Franchement, j'aimerais beaucoup qu'ils sortent plus de chansons et plus d'albums dessus sur eux. Donc j'espère qu'on va avoir un comeback bientôt et qu'on va avoir plus de choses sur eux. Donc voilà. Donc on va commencer l'unboxing. Alors comme vous pouvez voir, l'album il est ici. Il se présente comme la plupart beaucoup de CD de chez SM Town. C'est-à-dire on a le CD là, il ressemble à un bouquin classique avec le concept art et tous les photobooks. Comme vous pouvez voir là. Alors on a par contre l'avantage de eux, c'est qu'on a deux cartes. Comparé au dernier album que j'ai pu vous présenter qui était Aeon, là on a, minimum on a deux cartes. Et comme vous pouvez voir, il y a les signatures avec les écrits en chinois, donc c'est vraiment super. Donc moi qui adore les trucs avec la Chine, on a une mini carte postale avec tout le groupe. Donc ça, je trouve ça, j'ai vraiment une idée géniale. Et dedans, on a encore plein de petits trucs à l'intérieur dans cette pochette. Donc je vais appeler ça des mini posters, on va dire ça comme ça. Ou comme vous pouvez voir, ils sont comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Donc je trouve ça vraiment très cool qu'on retrouve ceci sur l'album. Alors pourtant d'habitude les albums de SM Town, je les trouve vraiment petits niveau... goodies qu'il y a dedans par rapport à d'autres marques agences de K-pop. Donc franchement c'est un bon truc là sur Wave. J'ai vraiment pas été déçu de l'album ni de ce qu'il donne à l'intérieur. Franchement j'apprécie beaucoup. Donc j'espère vraiment qu'on va avoir un comeback de ce groupe là et de leurs chansons. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez le groupe. Si vous écoutez leurs chansons, est-ce que vous écoutez NCT, lesquelles vous écoutez, quelles sont vos chansons préférées, quels sont vos favoris. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et surtout, dites-moi aussi si vous jouez à Superstar SM Town. Et je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo. À la prochaine, bye bye.